Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et on est venu aujourd'hui vous dire ce que nous entendons faire. D'après le jeu, nous entendons pas à partir maintenant jusqu'à ce que la vérité soit faite sur nous. C'est la fin. Nous allons commencer à voir jusqu'à ce que les véritables auteurs soient identifiés. Nous allons commencer à voir jusqu'à ce que les véritables auteurs soient soumis à la justice. Nous allons commencer à voir jusqu'à ce que les auteurs soient sanctionnés comme cela se voit. Si vous avez lu la déclaration des évêques, ils ont parlé du crime de Dieu. Oui, c'est le crime de Dieu. Si vous avez vu la déclaration, c'est ils ont mis la juste mesure en disant que les incendies ont non seulement mis le deuil dans les familles et commerçants du marché, mais dans beaucoup de familles. Vous savez, il y a un monsieur surtout a mis en deuil les communes chinoises. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent sur le marché. Il y a des commerçants. Il y a des commerçants. Il y a des portefeuilles. Il y a des émigrants. Il y a des voleurs qui font leur activité au marché et qui vivent tout ça. Je ne dis pas que c'est. Mais, par rapport à des choses, dans tous les pays au monde, eux aussi, c'est de ça qu'ils vivent. Et il y a beaucoup d'autres activités. Il y a nos féticheurs qui vivent de ça aussi. Et qui ont des petits bigris qu'ils font à nos commerçants, qui vont déposer dans les marchés et qu'ils entretiennent régulièrement. Vous avez nos marabouts qui aussi ont fait des talismans à nos équipements qui vivent de ça. À nos commerçants musulmans. Vous avez les pasteurs qui aussi viennent aussi marcher pour bénir le marché, mais de l'obéir par-ci, par-là, et qui aussi tirent des soucis de ce marché. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vivent de ce marché. Il y a les gars aussi qui vivent de ça, parce qu'il y a toutes les ressources financières, fiscales, que les gars aussi de ce marché. C'est incommensurable. Et on leur dit que si le ministre vous dit aujourd'hui, ministre des Finances, qu'il a le recul face aux manipulations des enseignants, c'est en grande partie à cause de ce qu'ils ont fait eux, à cause de l'enseignement qu'ils ont pris. Parce que l'État dit beaucoup de choses sur ce marché. Bien, c'est pour dire que, comme je vous dis, nous allons nous battre maintenant. Jusqu'à ce que ce soit venu, nous allons là. C'est pour ça que nous avons décidé de nos activités. Et la première, c'est que nous allons, vendredi prochain, organiser une grande marche pour nous. Une grande marche de protestation. Pour exiger que la justice du bien soit faite sur ces incendies. Pour exiger que les véritables auteurs de ces incendies soient identifiés. Pour exiger que ces véritables auteurs soient soumis à la justice. Ou besoin, alors si on ne peut pas le faire par la justice, qu'il y ait une enquête internationale qui soit ordonnée pour trouver les véritables auteurs. Nous, après ça, nous allons peut-être faire d'autres actions. Non seulement nous, parce qu'il ne faut pas que ça soit très bien. Nous allons mobiliser l'ensemble des gens de l'Ouest. Parce que c'est l'ensemble des gens de l'Ouest qui vit de cette démarche. Toute la région du sud, même jusqu'à ce qu'on ait vie du marché de l'Ouest. Et toute la région septentrionale vit du marché de l'Ouest. Et donc, toutes les populations de ces marchés-là sont concernées. Toutes les femmes qui vont dans ces marchés-là sont concernées. Toutes les femmes qui vont dans tous les marchés de l'eau sont concernées. Parce que ces marchés sont alimentés par ces marchés-là. C'est pour ça que nous allons faire la première manifestation à l'environnement.
sur ces listes de notre abord. Et il n'ajoute pas les investigations nécessaires pour identifier les auteurs et sanctionner les dégâts. Nous allons donc en tout temps faire dans la main de Mani pour exiger que nos camarades qui sont encore enfermés, que tous ces gens soient libérés. Tous ces gens qui sont enfermés du fait du jugement de ces incendies et qui sont illégalement et injustement enfermés, que tous ces gens soient libérés. C'est indispensable. C'est pour ça que nous allons commencer à marcher à partir de Marie-Rosée. Nous allons également cette marche-là sur l'ensemble du territoire. Il faut que ce soit tout le monde qui se lève comme un sort. Parce que c'est tout le monde qui souffre. Il se trouve que le docteur se lève et exige évidemment non à cet acte barbare et inhumain. Non à l'impunité qui entoure en ce moment. Pour exiger donc que nos amis, nos camarades, nos frères, nos mères, nos soeurs, nos maris, nos fils, en bas, nos femmes, les soeurs, les frères qui sont en train de soient tous libérés sans condition et qu'on reçoit les dégâts de l'homme. Voilà, en quelques mots, le fruit de l'origine de notre marche de l'homme. Et nous demandons que le coup, pas que le coup, pour bien montrer que toutes les femmes qui sont. Qui sont dans tous les marchés sont concernés. Et que nous leur demandons si elles ne peuvent bien observer quelques heures de marché au monde. Si elles ne peuvent bien, nous sommes en début d'année, en fin d'année, et que la fin d'année, c'est l'année dernière, le moment où les femmes, les commerçants font. Leurs affaires, nous savons que c'est difficile, hein, nous ne demandons pas à la cuisine, mais si ces conversations sont dans ces marchés-là, qu'ils observent une demi-journée de marché pendant le temps que nous faisons ces marchés. S'ils ne peuvent pas faire partie de la situation, nous savons que la période est. Et donc nous allons commencer la marche rassemblement à devant à la table. La marche va démarrer devant la table. Va prendre la libération jusqu'au bois similaire. Va continuer le bois similaire côté ouest. Donato va continuer jusqu'à la plage. Et à la plage, nous allons tenir notre déclaration. N'oubliez pas que la plage, là où nous allons, n'est pas loin de la justice, nous demandons que la justice soit faite. J'aurais également profité de l'occasion pour fustiger ce qui s'est passé pour le récit que nous allons. Tous les anciens communistes et les anciens de l'Assemblée nationale, il a droit à la
que ma femme ne savait pas qui, à qui il y avait. Et qu'ils ont suivi la dame.